Et on va remettre un peu de couleur. Oh, là, si vous avez la peinte, c'est moi. Ton chapeau, oui, et mon couteau qui ne coupe pas. Je l'ai bien là, je suis vite. Oui, non, mais. Et je l'échappe. Je vais chercher. L'objectif. Pour la souris, parce que j'en fais pas souvent. Fais un peu de réserve. Pour que ça chauffe. C'est un petit baba en fait qui est en forme de kouglof. Et on va mettre là, pousser le safran pistil. On va remettre un peu dessus. Voilà. Et donc c'est un confit mirabelle. Voilà, bon, on va raconter un petit peu l'histoire du baba lorrain, qui était un baba qui est apparu au XVIIIe siècle, au château de Lunéville, ou en tout cas dans l'entourage de Stanislas, qui était un roi polonais, qui est devenu le dernier duc de Lorraine. Donc avec l'âge, Stanislas était toujours aussi gourmand, par contre, il avait de moins en moins de dents, et il avait de plus en plus de mal à manger des gâteaux plutôt durs. Et un jour, dans son entourage, on a eu l'idée de tremper son gâteau, dans du vin. Alors le vin de l'époque c'était du Tokaj, qui était un vin de Hongrie, qui est toujours très réputé aujourd'hui, qu'il était déjà à l'époque. Et il a été très friand de cette pâtisserie, de ce dessert. Et pourquoi on l'appelait baba? Est-ce que le gâteau de départ était un gâteau polonais déjà appelé baba? Baba ça veut dire bonne femme en polonais, donc ça évoque la douceur, la bonté. Je ne sais pas très bien, toujours est-il que c'est resté. Et après, avec le temps, tout le monde en était friand à la cour, et ça s'est exporté jusque Paris et jusque Naples plus tard.